Non. Au diable, Wall, il ne faut pas céder. Non. Mais qu'il arrête de me. Ça sort du char, le char sort du char. Juste au creux de l'oreille, au creux du frisson sur ma joue. Tu flanches des genoux. On est ici ce soir pour vous donner les outils qui vont vous aider à vous guérir. Oui. On va, notre thérapie est garantie à 100% d'ailleurs. Ben oui. En autant, vous ne soyez pas une personnalité publique travaillant dans le domaine de la radio, de la télévision ou de l'humour. Ouais, là, on a quand même nos limites. On ne fait pas des miracles, nous autres. Le spectacle de ce soir est construit en différents tableaux pour nous donner plusieurs comportements imbéciles qu'on peut avoir lorsqu'on recherche désespérément l'amour. Oui. D'ailleurs, nous allons, comment je dirais ça, sous forme de sketch, oui, vous présenter les phases qu'on peut vivre dans des situations amoureuses au cours de notre vie. D'ailleurs. La numéro 1, la phase du printemps qu'on appelle Disney. T'es un asti de menteur. Oui. La phase numéro 2, durant l'été, qu'on appelle la célibataire qui vous laisse faire engrosser. Oh, la phase numéro 3 de l'automne, fuck you Cupidon! Et la phase numéro 4 de l'hiver, quand l'émancipation de madame fait débander le monsieur. Ben ouais, j'ai marié de Monserrat, moi! Ouais, ouais! Une vraie de vraie, c'est. Elle goûte le sirop d'érable intestineuse, la calice! Mais drôle, c'est qu'elle est drôle, ma blonde. Ma blonde et puis moi, là, c'est la ronde en foire. On est tout le temps en train de rire. Puis parce que les Monserrat, vous êtes du monde comique. Non, vous aimez, vous êtes drôle, vous êtes festif, vous aimez ça faire le party. Et la preuve que vous êtes drôle et vous aimez ça faire des jokes, la cache à Maxime, ouais, on la voué du chemin. Une petite belle cache.